Spa is always a difficult track to predict who will do well at, but after the last few years, it's been a mix of Red Bull, McLaren and Ferrari drivers that have excelled. Well, Ferrari have had 16 wins here over the years, but today, I'd probably give the advantage to Red Bull. They're always able to pull off something special here. Okay, you should be able to get into the next qualifying session easily, so try to get a hold. Alors donc, revenons vite fait à nos moutons par rapport au réglage, Cyril. Dis-moi clairement dans le chat si tu veux que je passe l'avant et l'arrière à 18. Ou si c'est juste. Ou si c'est juste... Ah d'accord. Partout. Ok, voilà. Faut qu'on arrive à communiquer comme ça, hein, parce que... Alors Q1, on va sortir avec les pneus durs, on va pas sortir avec les pneus mous. Ouais, ça y est, c'est bon, Cyril. Allez, c'est parti pour la première séance de qualification. Comme d'habitude, tour lancé. Je fasse gaffe, j'ai du monde dans le dos. Ouais, c'est chaud avec le décalage, hein, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on soit précis dans les termes. Merci à toi pour le follow, mon ami. Bienvenue dans la team. Et par contre, je ne sais pas si je suis toujours avec 50 kg d'essence. Comment ça marche pendant les qualifs, Cyril? Ils me remettent l'essence avec ce qu'il faut pour faire un tour de qualif ou ils me font partir à bloc? Je me rappelle plus. Je sais qu'on peut réduire la quantité d'essence, hein, comme le fait Ticouda. On va les laisser filer. Ok, donc la durée de vie des pneus prime et options, c'est 19 et 15 tours. Donc la stratégie sera sans doute 2 pit stops. Bah t'es optimiste toi. En 8-9 tours, les primes là, les blancs, ils étaient déjà à 26% d'usure. Tu aimes bien mes vidéos, Fast? Bah, écoute, content que ça te plaise. Bientôt les 200 followers sur Twitch. Merci les amis.
Donc pour l'instant, des qualifications qui partent difficilement parce que je suis un petit peu gêné par les pilotes qui sont devant. Du coup, ça ne me permet pas d'attaquer comme je devrais. L'objectif de la team qui est de me faire partir un minimum 7ème. Bah, la pression des pneus à 18, Cyril, la voiture elle est encore mieux que tout à l'heure. Voilà. L'ingénieur a parlé. Oui, j'ai vu un Verstappen qui va chez Red Bull pour le Grand Prix d'Espagne et peut-être même pour le reste de la saison hein, si ça se trouve. Red Bull a une image à défendre. Comme le dit Cyril, ils veulent se servir de la jeunesse pour les façonner à leur image. Et du coup, ils ont fait monter Verstappen et rétrograder Kiat pour lui apprendre le respect déjà. Et puis surtout pour pouvoir... essayer de travailler Verstappen comme il l'aimerait qu'il le soit pour redorer l'image de Red Bull qui c'est vrai là, après l'issue du Grand Prix de Russie a encore bien été terni sur les actions de Kiat sur Vettel. Alors, bien qu'il ne faut pas oublier Kiat est le seul pilote Red Bull à être monté sur un podium depuis le début de la saison, il n'en est pas moins qu'il a commis quelques grosses erreurs sur les derniers Grands Prix et donc il le paye quoi. Salut Fusion Quentin, bienvenue sur le live, comment vas-tu? Allez, je pense qu'on va pas insister sur le chrono, on va rentrer sagement au stand. De toute façon tout le monde est dans les pits là. Cet après-midi, je suis allé voir un jeune youtubeur, Docteur Banco, qui a une chaîne YouTube et qui stream sur YouTube, et qui fait de la F1, qui est passionné de F1 et qui fait du FIFA aussi, sur console, et qui me suit depuis pas mal d'années sur ma chaîne, et ça m'a énormément touché, toutes les gentilles remarques qu'il m'a fait. Sur la chaîne, sur ce qu'on fait au niveau des vidéos, sur le fait d'être entre guillemets une sorte de fan hein, un petit peu de la chaîne et j'ai trouvé ça super touchant comme quand Rachid Senna m'envoie des dessins avec un petit clin d'œil pour moi dessus et je trouve ça super sympa. Allez, n'hésitez pas à follow si vous ne l'avez pas encore fait.
Oui, comme je te disais, Cyril, hein, je t'ai déjà répondu, hein, en fait, hein, mais bon, apparemment, c'est comme tu lagues, ça a l'air d'être un peu compliqué. Ouais, ça va bien avec les 18 en pression de pneus, ça va super bien, c'est encore mieux que tout à l'heure, hein, donc je sais pas si tu avais vu, mais en tout cas, c'est cool. Ah ouais, tu me suivais déjà, Gloss Black? Ouais, c'est vrai que bah ouais, il y a eu cette histoire avec la chaîne où j'étais obligé de changer, hein, tout simplement pour pouvoir continuer à fournir du contenu et de pas attendre les 6 mois de pénitence, comme on dit. Bon, on va passer le reste de la séance en accéléré. Actuellement, on est 16 viewers sur le live. Ouais, Renault a marqué des points, hein, à Sochi, faut pas le négliger, hein. Alors tout de suite, les journalistes qui disent ça y est, les Renault ont trouvé le setup qui va bien, elles deviennent compétitives. Je pense que c'est juste un fait du hasard. Les conditions climatiques et le tracé convenaient pas mal aux Renault, mais c'est pas des voitures qui sont au point pour la saison. Ils ont eu un coup de bol pour cette course, mais faut pas s'attendre à des miracles pour l'Espagne par exemple et les courses à venir. Peut-être tout dépend de la météo, ils peuvent peut-être faire un petit truc à A poor Monaco, showing there from Fernando Alonso. The team were expecting a top 10 qualifying performance, but he's been knocked out in Q1. Et oui, comme le dit le présentateur, et oui, Fernando Alonso l'équipe pensait à arriver au moins dans le top 10 à l'issue de Q1, et puis finalement il est exclu des Q1, y compris pour son copain Button, hein, parce qu'on voit donc les éliminés. On a les deux Manor, mais on s'en a l'habitude, mais on a les deux McLaren et la Toro Rosso de Max Verstappen qui est passé complètement à côté. Et donc on va retrouver donc les 15 autres, mon coéquipier qui est tout juste qualifié dans Q2. Ça s'est joué à 5 dixièmes. Et on va passer donc à Q2. N'hésitez pas à partager le lien du stream sur vos réseaux sociaux. Allez. C'était rien, c'était le volant qui s'est pas déclenché. Un petit coup de volant et c'est reparti. Donc là, je sors tout de suite d'entrée de jeu pour aller faire une marque. Le but, ça va être de faire un bon chrono tout de suite pour passer en Q3. Et surtout, éviter de faire trop de tours, hein, parce que ce sera le train de pneus qu'on prendra pour le départ.
That's the fastest lap so far. Well done. On a les gros bras qui sont en train de passer les lignes de départ arrivées. Donc on va voir où est-ce qu'on va dégringoler. J'espère pas trop loin en tout cas. On est devant Hülkenberg. Hein. Qui vient s'immiscer aussi, je pense qu'on va avoir les deux Mercedes. Tant qu'on sort pas du top 10, moi ça me va. On ressortira s'il faut. Ça a l'air plutôt de bien se passer. Et ouais, un jet passant dans une course à 100%, ça pardonnera pas, ouais. Avec 14 viewers actuellement sur le live. Alors, mon chrono, 1:53.677. C'est le troisième temps pour l'instant. Là, ils annoncent un petit peu de la pluie. Hein. Alors pour l'instant, j'ai toujours troisième temps, j'ai le meilleur premier secteur. Après, dans les temps proches des miens, dans le premier secteur, c'est Bottas qui est presque aussi rapide que moi. À un dixième. Deux dixièmes, on est Raikkonen. Où sont les Mercedes? Rosberg est huitième. Et Hamilton. Pour l'instant, il est quatorzième, mais je me fais pas trop de soucis à moins de... moins d'un problème sur sa voiture. Je pense que ça changera pas trop. Il devrait passer devant. Non, on va passer en accéléré un petit peu. Alors l'auto, comment elle se comporte? Ben, très très bien avec les tendres, hein. On a une très bonne adhérence. Rien à redire, hein. Je pense que pour la course ça devrait bien se passer. Ah oui, Spa, si c'est Spa en 100% sous la pluie, là on est mort, hein. on va se suicider. Bon, les chronos pour l'instant n'ont pas l'air de bouger. Hein. Je suis assez surpris. Hamilton est en train de se faire sortir de Q2. Hein. Un problème sur la monoplace du pilote britannique, c'est étrange ça. De faire des points. Ah, je sais pas, si je peux pas regarder.
He might have had a car problem or just couldn't get the performance, but he's got a lot of work to do tomorrow to get on the podium from there. Donc, comme le dit le présentateur, visiblement Hamilton avait eu un problème avec sa monoplace, ce qui fait qu'il n'a pas pu performer pendant les qualifs. Et il fait partie des éliminés, tout comme Marcus Ericsson, Perez, Maldonado et Nasser. Tant pis pour lui. Là, Siri, j'ai pas le réflexe de regarder à chaque fois le taux d'usure, hein. Je suis désolé, mais. Bon, allez, Q3. Q3 avec une météo sèche, vraisemblablement. Pas de pluie attendue, que des nuages. Ça me fait peur pour la course quand même. Un peu de pluie dans une demi-heure, mais on aura fini la séance. Allez, on y va. Looking at the radar, we should see light rain within 10 minutes time. Tires are overheating. Easy into the next few corners. We need to cool them. C'était un tour pour rien. You're into P3. P3 on the grid. Bien réitérer l'exploit de Longoy.
Et c'est la pole. Showing light rain arriving in 5 minutes' time. 5 minutes. On est à 2 followers de la, des 200 followers, hein, des 200 follow sur Twitch. Vous allez pas me laisser ça comme ça. Allez, un petit effort. Oui, Gloss Black, ouais, je suis en difficile. Alors pourquoi je suis en difficile? Parce qu'avec la Lotus, le début de saison, je l'avais attaqué en expert. Et ça s'est vite montré ingérable. C'est-à-dire que j'arrivais pas du tout à assurer mes courses. C'était un vrai calvaire, donc c'était ni agréable pour vous, ni agréable pour moi. Et donc on a conduit d'un commun accord avec les viewers et... Et puis, l'équipe qui est avec moi, de faire la saison en difficile pour que ça soit un petit peu plus de challenge. Surtout qu'on voit en qualif, hein, l'IA est un peu plus faible qu'en course. En course, c'est pas la même. Et la pluie qui commence à tomber sur Spa. Allez, est-ce qu'il y en a un de l'assistance là qui va aller faire un tour sur le live de Calibibi s'il a du monde et qu'il n'hésite pas à aller lui dire que je suis à 2 followers des 200 follow. Allez lui annoncer que je pars en pôle, tiens. Ah, Kali, c'est cool. Bon, bah, il me reste 2 followers pour arriver aux 200. Ah bah, moi qui voulais t'envoyer du monde pour venir te troller sur ton live. Ouais, on voit qu'il y a des sacrés écarts dans les temps, c'est assez phénoménal, mais bizarrement, l'IA est très, très faible en qualification, alors qu'en course, c'est pas la même. Hein. Allez, on va passer à la course. Donc la grille de départ, hein, je partirai en pôle aux côtés de Sébastien Vettel, Valtteri Bottas 3ème, Nico Rosberg ne part que 4ème, suivi par Felipe Massa et Daniel Kvyat, Kimi Räikkönen est 7ème, 8ème, Ricciardo, Sainz et Hülkenberg ferment la marche. Et ben on est parti pour la course, en espérant qu'on n'ait pas de la pluie. No,